Salut à tous, c'est Mr. Driver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Just Cause 3. Donc pour fêter la sortie de Just Cause 4 qui va, je pense, bientôt sortir, je suis même sûr. Voilà, une petite vidéo sur Just Cause parce que j'aime beaucoup le jeu. Donc écoutez, on va faire des petits trucs fun, bien sûr. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo que j'ai fait sur Palladium épisode 1. Pour l'instant, je viens juste de le sortir, quand je tourne ça. Donc je sais pas cette vidéo, quand est-ce que je la sortirai, si ce sera dans un an, dans quelques jours, je sais pas trop. Donc bah écoutez, on va commencer par prendre cette petite voiture. Voilà, c'est déjà mieux. Donc j'ai quelques... Oula, on rentre. J'ai quelques petites idées de ce qu'on pourrait faire. Donc on va prendre des petits hélicoptères, etc. Je vais essayer d'apprendre à réutiliser le wingsuit, parce que j'avais beaucoup de mal, je me rappelle. À chaque fois, moi, ça marchait pas. Je faisais que tomber en l'utilisant. Ça, c'est terrible. Donc là, bam, je vais aller sur le toit de la voiture. On va appuyer sur A. Ouh, au revoir, petite voiture. Je vais prendre ça. Un petit fusil à pompe. Là, j'ai pas encore débloqué ces deux trucs ici. C'est dommage. Parce que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je vais récupérer cela en spécial. Allez, je vais vous en montrer un qui est pas mal du tout. C'est ça. Et comme voiture, on va récupérer un petit cargo bob. Comme ça, on va essayer... Vous savez quoi, cette voiture-là, je vais la récupérer. Donc pour l'instant, on va pas lancer notre beacon. Vous savez quoi, j'ai une petite idée. Alors, c'est pas très recommandé. Bah, je vais faire spawn mon cargo bob. Je vais foutre la boîte dedans. Et bien, je vais larguer la boîte au-dessus du point. Donc vous allez voir comment je vais y prendre, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ça va être très dur à faire, mais ne vous inquiétez pas, je suis un petit peu professionnel en la matière. Donc écoutez, je vais sortir de la caisse, on va faire spawner le cargo bob, donc pourquoi pas le mettre mais plutôt là, c'est énorme, hein, vraiment, c'est vraiment énorme, vous allez voir ça, bam, je me fais livrer instant, hein. Ça c'est le nouveau Amazon. Voilà, mon petit cargo bob, j'espère que ça va pas exploser. Non. Et je vais sûrement pas pouvoir décoller d'ailleurs, mais bon, hop, on s'en fout, hein. Donc, on passe au poste du pilotage. Alors là, un moment un petit peu compliqué, mais oh, hein, j'ai fait 5 ans d'aviation, ça va passer. Oh, allez, j'ai oublié de fermer la trappe, hein. Mais regardez, ça va être drôle. Hop, une petite livraison en avion de chasse, et je livre des bombes. Bien sûr, c'est une arme vraiment magique. Non! Oh, putain. Bah écoutez, on a eu un tout petit problème. Ça c'est la piste d'atterrissage qui était pas incroyable, hein. Donc, solution à ce problème, c'est qu'en fait là j'ai plus de beacon. Donc je suis obligé de mourir et ça va me redonner un beacon. Donc bah, regardons ces bombes atterrir. Voilà. Ok, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Malheureusement, je dois attendre 20 minutes avant que ça se redébloque, mon espèce de gros avion de chasse. Je me suis dit, pourquoi ne pas livrer quelque chose, mais en hélicoptère. Après tout, c'est pareil. Toi tu restes là, hein. C'est toi que je vais livrer. Mon hélico! Mais pourquoi il se barre comme ça? Qui est... Mais dégage! Mais j'y crois pas, le mec se barre avec mon hélico alors que je viens de le commander et normalement il y a personne. Oh, je suis un connard. On est reparti. Donc j'ai mis un petit point à 3 km, on va livrer au-dessus d'une base militaire. Bah, écoutez, je vais décoller, j'ai fait ma petite installation, je suis assez content. Et normalement... Ah, c'est chaud à lever, hein. Bon, ça va être long, je sens que ça va être long, je peux pas monter plus que ça. Mon hélico est pas très puissant. Ah, j'aurais dû sortir un mastodonte, hein, pour soulever ça. J'ai pris ça, je me suis dit, hein, ça commence à m'énerver. Hein. Voilà, je peux y aller au missile, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on va soulever? Donc, je vais rien tenter de bête. Voilà, donc là, si c'est pas assez puissant, franchement, je comprends pas. Hein. Donc, oh putain, j'en ai marre. Ah mais c'est la touche pour décoller, c'est la même touche que pour tirer sur les liens. Regardez ce que c'est, ça c'est magnifique. On va rentrer dedans. Voilà. Alors bien sûr je suppose que j'arrive pas à avancer, hein, ça c'est terrible. Bon, un petit problème de commande, mais tout va bien. Oh non! Les mecs, j'en peux plus. Je fais tout foirer à chaque fois. Mais c'est pas possible. Cette vidéo est la vidéo de la malchance. J'ai appuyé, j'ai maintenu espace et c'est l'autodestruction. 2000 years later. On est bientôt arrivé à destination, j'ai déjà fait quelques kills. Là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais je fais que des fails. Donc là, lui, on va lui dire bonjour. Donc on va lui dire que je vais surtout prendre le pompe. Et que voilà. Récupérer ça, parce que ça me gonfle. Hein. Et je vais aller là où je voulais. Toi, t'as eu du bol. Oh, c'est... Oula, je fais des cascades. Ça, c'est mon côté cascadeur. Hein. Hop, voilà. Bon, on prend pas à remonter sur une moto. Allez, salut. Ok, les amis, donc là, on se retrouve beaucoup de temps plus tard, c'est-à-dire quelques jours, il me semble. Donc, là, la première partie de cette vidéo, c'était vraiment du gros fail. J'ai décidé de me reprendre. C'est pour ça qu'on va essayer de faire décoller cette voiture avec cet hélicoptère, plutôt. Donc, tac, on accroche un bout ici. Quoi? Oh non! Oh, ça commence déjà. En gros, quand j'appuie sur Maj, ça resserre le lien. C'est-à-dire que ma touche pour décoller, eh bien, c'est aussi Maj, figurez-vous. Donc, je vais changer mes touches. Voilà, j'ai les touches. Maintenant, je dois appuyer sur l'espèce de 2 qui est à côté du 1 et au-dessus du tab.
Donc, je vais enfin pouvoir bien accrocher mon truc. Donc, rétracte ce truc, c'est quelle touche? C'est vrai. On va rentrer dans l'hélicoptère, mais normalement, je vais pouvoir décoller sans que ça resserre les fils. Donc, je vais quand même... Ok. Je vais resserrer un peu les fils. Non, ça marche pas. On est enfin assez puissant pour lever le truc. Par contre, je peux pas resserrer mes tasers. Non, c'est pas grave. Regardez comment on le soulève bien, là. Bon, on va faire une petite livraison express. C'est vrai que ça, c'est le futur d'Amazon. Hein. Franchement, moi, je parierais sur ça. Déjà, le train... Bon, le train, de toute façon, il passera pas. C'est ça qui est bien. Regardez. Hop. Voilà, les traces au conducteur. Non ! Non ! Non, les amis, c'est... J'ai vraiment aucune chance. Sur le train, en fait, il y a un truc. Il y a un truc... Oh, putain. C'est pas vrai. Quel était le pourcentage de chance pour que sur le train, il y ait un truc qui permette d'envoyer des missiles? Mais, oh, c'est pas vrai. J'y crois pas. Ok. Bon, j'ai trouvé un endroit qui, je pense, sera pas mal pour faire spawner notre truc. Il y a beaucoup de passages ennemis, c'est vrai, mais bon. Déjà, est-ce que j'ai un beacon? J'ai pas de beacon. Bon, là, ça va être très simple. Il va falloir mourir. Voilà. Eux, ils vont se faire détruire, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Alors, là... Ah, problème, je suis coincé dans les roues. Oh merde. Ah, mais je suis rentré. Voilà. On va ouvrir la porte. Mais là, pour se barrer, ça va être chaud. J'ai pas envie qu'ils cassent mon cargo. Hein. Qu'est-ce que c'est qui a explosé? Non, non, cassez pas mon cargo, les mecs. Hein. Oh non! Mon cargo! Pourquoi... Qui a fait exploser? Putain, c'est toi. C'est de merde. Ok, là, on rentre. Allez, rentre. Ok, on va s'amuser. Pas espace, pas espace. Ok, il a quand même réussi à appeler les renforts, hein, le mec. Dis-moi... Alors, toi... Allez, salut! Voilà. Je peux vous dire que là, il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre. Allez, au revoir. J'ai gagné... Mais trop cool, j'ai gagné un nouveau truc. Bah, décidément, ce sera pour la prochaine vidéo, tout ça. Super, j'ai gagné un nouvel hélicoptère. Et regardez, là, il n'y a plus personne, c'est ça qui est bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Salut à tous, c'était Mr. Driver. Bye bye.